Go! Mon prochain invité porte le chandail numéro 13 du National de Québec. Il a déjà compté 6 buts en 9 parties. Il est originaire de Trois-Rivières et déjà on dit de lui qu'il sera le prochain Marc Gagnon. Mesdames, messieurs, et surtout vous, mesdemoiselles, on accueille chaleureusement le prodigieux joueur de centre du National, Pierre Lambert. Bonsoir, Jacques. Oui, j'aime mieux ça. Pierre, on m'a dit que tu avais 20 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui. Comment est-ce qu'on se sent à 20 ans, déjà grande vedette du National de Québec? Vedette, c'est un bien grand mot. Disons, des fois, j'ai l'impression que je fais un beau rêve. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir pourquoi tu portes un numéro aussi... En fait, c'est pas tout le monde qui a envie de s'afficher avec un numéro comme ça, numéro 13. Je pouvais pas prendre le 3, le 9, le 26. Alors, Nounou... Nounou, c'est qui ça, Nounou? Ton infirmière privée? C'est le soigneur de l'équipe. Ben, il t'a déjà rendu d'un gros chiffre, alors j'ai dit, ah ouais, donne-moi le 13. Est-ce que ça porte chance? La chance est dans la tête. Quand tu sautes sur la glace, que t'ailles le numéro 13 ou le numéro 2000, si t'as décidé de gagner, ça va arriver. Ce qui est paradoxal, c'est que tu as quand même connu, Pierre, un très bon début de saison. Par contre, le National et Marc Gagnon... Il reste encore 70 parties à jouer. Oui, je suis bien d'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec Marc Gagnon? Lève le son, papa! Marc Gagnon, il joue très bien, sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de glace depuis le début de la saison. Oui, on sait ça, mais pourquoi? Il faudrait demander ça au coach. Pourquoi l'embête ça? Francis, achale-moi pas avec ça! Puis décolle donc devant TV pour une fois. Marie-France. Marie-France, je te parle. Tant qu'à écouter des niaiseries, va donc faire ça dans ta chambre. C'est même pas des niaiseries! Pas les enfants, OK? Marc, je t'ai parlé. Je sais que ça va mal, mais touche pas aux enfants. Toi, bois ton cognac, puis crisse-moi patience. C'est ça. Sauve-toi. Ça va régler tes problèmes. Luc, tu te doutes pourquoi je voulais te voir? On va doubler le nombre de nos restaurants au Québec au cours de la prochaine année. On cherche un porte-parole. Au début, j'avais Marc Gagnon en tête, mais plus je regarde aller le petit Lambert... Lambert est trop jeune pour ce que vous cherchez. Vous voulez toucher la famille, attirer les parents avec les enfants. Marc Gagnon est tout désigné pour ça. Un mari, un père modèle avec la maturité du consommateur qui se choisit. Vous pouvez pas vous tromper. Oh, oh, là, les maris modèles. Les journaux parlent de divorce toutes les semaines. Marc Gagnon n'aura jamais les moyens de divorcer. Il était bon, hein, Pierre? C'est à Robert, tiens. Où vas-tu? Travaille sur mon ordinateur. Et mon gâteau? Il cuit, là. Je vais sortir quand ça va être le temps. Tu me l'as promis pour 7 heures, hein? Ben oui. Mais t'es donc bien chic, c'est t'attends. Pierre et Suzy? C'est tout. Ah oui, j'attends aussi Albert Simard. C'est un jeune avocat très huppé que m'envoie Luc Sigouin pour m'aider avec la coopérative. Je veux pas lui faire peur. Tu sais comment il imagine la mère d'un joueur de hockey? Je me disais aussi. Dans les relations professionnelles, il faut plaire aussi. Veux-tu une autre bière, Denis? Non. Je pense que je vais en prendre une au flamboyant. Tu ne les attends pas? Ils seront là vers 9 heures. Hé, hey, Denis, je peux-tu y aller avec toi? C'est pas une place pour les enfants. Qu'est-ce que je leur dis? Vous direz à Pierre qu'il est bien bon.
Et Suzy? Je viens de me rejoindre, ça lui tente. Ah, oh, ça doit être l'avocat. Quelque chose entre Suzy et toi? Non, non, pas du tout. Vous êtes Albert Simard? Oui, 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 je suis Albert Simard. Ah. Je suppose que vous êtes Marussia Lambert, oui, c'est ouais. Ça? Excusez-moi, parce que Luc Sigouin m'avait dit que... Enfin, ça fait rien. Non, c'est pas tellement grave, parce que moi... Oui, bonjour. Bonjour. Si vous permettez, j'enlève ma cravate. Ah, si vous permettez, Jean. Oh, oui, oui, oui. Oh. Alors, Hey, comment ça, Suzy? T'es pas prête? Ah oui, écoute-toi, là, je suis restée. J'ai changé d'idée, je reste ici. Tu trouves pas qu'on fait un beau couple? Pourquoi tu viens pas? J'ai changé d'idée. Moi, je viens avec toi, si tu veux. Tu vois, je suis déjà prête. Ouais. Bon, OK, de bord. Bye. Bye. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau! Marie-Lou, où tu vas en venir avec Pierre? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. T'as peur pour ton petit frère? Non. Pour Eugénie. Une nouvelle boutique. Mais quand est-ce que vous l'ouvrez? Oh, vous n'en êtes pas là. T'es folle. Eh oui. Oh, je regrette que Suzy ne soit pas là. Ça la concerne, elle aussi. Évidemment, ça va être Maître Simard qui va tout arranger. Minute, là, c'est tout moi qui a fait les calculs sur mon ordinateur. Ah oui, hein, du vrai travail de pro. Quand le gérant de banque verra ça, il me demandera tout simplement de signer. Parce que... Non, non, non. Comme endosseur... Dès que les questions d'argent seront réglées, il faudra trouver un nouveau local. Pour l'instant, je me suis surtout occupée de trouver une ligne à ces nouveaux vêtements et à ces objets d'artisanat. Les filles m'aident. Oui. Si t'as vu ce que Suzy est en train de faire essayer à Marie-Lou, là. De quoi faire peur aux épouvantails. C'est vrai que c'est pas exactement quelque chose comme ça, de près. Où as-tu pris ces photos? La porte sur moi. Tu vas les remettre en place immédiatement. Tu n'as pas touché à la boîte en bois. Non, je te jure. On devrait les mettre au mur. Pourquoi tu les caches? C'est tellement loin. Ça, c'est ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Wow. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des grands-parents russes. C'est vrai que tu leur ressembles, de caractère surtout. Oui. Allez, les enfants, vous avez sûrement mieux à vous dire que de parler de Russie et de chiffon. Mm-hmm. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Si c'est moi qui vous chasse. Tu me demandes pas des nouvelles de Denis? Ça va pas entre Denis et Suzy, hein? T'es mon meilleur ami. Comprends-tu ça, toi? Dis-moi, mon frère. OK. Raconte pas ça. Slow down, slow down. C'est pour mes deux, oui! Denis, là. Salut, Denis. Salut. Comment ça va? Mal. C'est vrai pourtant de savoir, maudite face hypocrite. Denis, c'est un accident, tu le sais? Hypocrite puis menteur, en plus. Tu m'écœures. Tu savais que j'étais déjà blessé quand t'es venu me chercher. Juste pour être sûr de rester avec le club, hein? Mon tabarnak de sage! Arrête ça, sacrament! T'es comme mon frère. T'es rien qu'un sale. Un crise de sale. Vous allez pas publier ça, hein? Faut pas que ça sorte d'ici. On se comprend bien. Le public paye le gros prix pour applaudir son national.
Dans le prix du ticket, il a le droit de voir sa vedette favorite, Marc Gagnon. Si Gagnon est blessé, qu'on le dise. Sinon, qu'on le fasse jouer. C'est pourquoi la clique Mercier qu'il pour. Ils sont encore sur notre dos. Moi, je le sais. Les journalistes, tu peux leur faire des petits cadeaux, mais t'es contre eux, jamais. C'est justement ça que je suis venu te parler ce matin. Écoute. Il n'y a pas d'écoute. J'ai des problèmes financiers sérieux. And I don't want to hear another bad word against the Nationals. Do you understand? Shit. Bonjour. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Je suis en retard. Pierre Lambert. Ginette est pas là? Non, elle était partie quand je me suis levée, la pauvre. Vous avez un peu dormi? T'es pas loin de 4 heures la dernière fois que j'ai regardé. En tout cas, il y en a un qu'on sait pas où il a couché. Denis? Oui. Il a dû se passer quelque chose entre Denis et Suzy. Mmh. Il faut ton café. T'as qu'à le réchauffer. Ton père, lui, il me le montait au lit, mon café. Il était sans défaut, cet homme-là? Je suis jamais à la hauteur, moi. OK, champion. En tout cas, c'est bien lui qui t'a mis sur des patins. Il le savait que tu serais un grand joueur de hockey. Il m'avait dit quand tu avais à peine 5 ans. Je m'en souviens. Il y a quelque chose de nouveau dans le Nouvel-Est? Non, pourquoi? C'est pas à cause de Suzy que Denis n'est pas venu coucher. Ah bon? Suzy a rien à voir là-dedans. Denis puis moi, on s'est engueulés. Ça arrive. Oh, cette fois-là, c'est grave. C'est toujours grave. Et puis les choses finissent par s'arranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Ah, bonjour, Albert. Oui, oui, ça va. Bon, je suis en retard. Une seconde. Mais non, attends, je voudrais te parler. Tu n'as rien mangé. Bye, moi. Excusez-moi, Albert. Un club de hockey, c'est de la valeur rien que quand ça marche. La saison vient juste de commencer. Écoute-moi bien, Jules. Ce que je vais te dire, là, je veux pas que ça sorte d'ici dedans. J'ai-tu l'habitude? J'ai certaines business qui marchent moins fort que d'autres. So I had to put up the Nationals collateral. Le National? So I need a team that can win and fast. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des miracles? Those three unsigned contracts, I want it settled. Gagnon's especially. And I don't want to have to break the bank to do it. Allô, Madame Lambert? Pierre est pas parti, j'espère? Il a franchi la porte il y a à peine 5 minutes. Ginette, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire entre Denis et Pierre? Ben, hier soir, Denis avait quelque chose sur le cœur, il était chaud. Fait que ça a sorti. Ginette. Ne joue pas à cache-cache avec moi. Pierre, vous en a pas parlé? Ça doit être grave, parce qu'il a filé sans me le dire. Le pire, c'est que Fernand Bourgoin était là. Pas une piste de course ici, jeune, hein? Je suis pressé, il faut que je sois focalisé pour 11 heures. Pas notre Pierre Lambert? Ben, oui. Ben, ça me fait plaisir de te connaître. Ça marche bien, ton affaire? Puis donc, y arrive quoi avec Marc Gagnon? Bon, ça va aller. Comment se retrouver, sa femme? Ça va aller pour cette fois-là, mon Pierre. Mais roule moins vite. T'as amplement le temps de te rendre à Québec pour 11 heures. Puis, prochaine fois, là. Prends-donc moins de temps pour investir ta blonde. OK. OK. Merci. Bonne chance, hein? Écoutez-moi bien, tous les deux. Je suis quasiment un père, moi, pour les joueurs de hockey de Trois-Rivières.
Je le sais, je suis un ami de la famille Lambert. Ça aussi, c'est vrai. Et toi, Denis, tu fais pratiquement partie de la famille depuis 3 ans que tu restes là. Et ce qui est arrivé hier soir, c'est de l'information. Une cinquantaine de grosses histoires à part ça. Peut-être la plus grosse depuis que Marc Gagnon a signé avec la Nationale. Mais vous pouvez pas faire ça, M. Bourgoin. Pierre et Denis, c'est comme deux frères. C'était. Le monde a le droit de savoir ce qui se passe dans le sport. Du sport? Mais c'est du sport, cette affaire-là? Ça, ça marche pas. Bon, oui, puis non. Les gars, j'ai toujours respecté tes décisions sur la patinoire, mais là, j'ai un problème avec Gagnon. J'étais le premier à le dire. En fait, te dire la vérité, Goldman. Je dis-tu comment pratiquer sa religion? Pas lui comme venir me dire qui faire jouer, avec qui puis quand. Je plie pas là-dessus, Gilles, tu le sais. Oh, mais bon Dieu. Je te demande pas de plier, je te demande de régler le cas de Gagnon. Écoute, j'ai Goldman sur le dos. Tu pourras au moins écouter. Alors, penses-tu que... Marc, ça met un peu plus de temps sur la glace. Écoute, Gilles, c'est juste de moi. Marc Gagnon, tu pourras l'envoyer aux îles Mouk-Mouk. Il est pas en forme. Puis il jouera pas ses powerplays tant qu'il l'aura pas mérité. C'est assez clair, ça? Tu traduiras ça en yiddish à Goldman de ma part. Il savait que j'étais déjà blessé. Même s'il savait, ça veut pas dire qu'il a fait exprès. Comment tu fais pour penser ça? Je suis sûr, je l'ai senti. Chris, quand j'y pense... Comprenez-vous, là, dans quelle situation je me trouve? Mets-toi dans ma place pour une fois. Je voudrais bien te voir dans la mienne. Vous pouvez pas publier ça. Vous me l'avez promis hier soir. Ginette, je t'ai absolument rien promis. Rien. Je vous en supplie. Faut que j'y pense. Where are you? Where are you, Mike? Comme un pro, t'es payé comme un pro. Ça serait peut-être temps que t'agisses comme un pro. T'as 20 ans, t'as les plus de glace que tout le monde. T'as de la misère à suivre des vétérans comme Gagnon puis Martin. J'étais à l'œil, le jeune, OK? Je t'en passe un papier. Ah ouais, on continue, patine! Crouille-toi le cul, go, skate! Let's go! Oh, come on, guys! Ramassez-vous, là, les vedettes. On serait pas à la fin de semaine à vous torcher, vous. Pauvre chat. Il s'est fait engueuler par le coach. Veux-tu que Nono, il délaisse les patins? Ah ouais, gars, toi, pas rien que toi m'occuper, moi. Nono, désespoir, fiche-y patience. Faut bien qu'il n'y ait pas envie de rire. Bah, forge-toi pas, le capitaine, je disais ça pour y remonter le moral. Si tu continues de même, tu vas finir par faire une dépression avant la fin de l'année. Entre toi et moi, t'avais pas l'air très brillant sur la glace ce matin, hein? Je sais pas ce que la petite que t'as ramassée hier t'a faite, mais t'avais les jambes coupées. J'étais avec ma blonde. Il y a d'autres choses qui me tracassent. Mercier, il est dur. Il est juste. Hé, hey, dépêche-toi, on va aller prendre une coupe de bière ensemble. Ça éclaire ses idées. Il y en a qui commencent à dire que Gary Bennett devrait se reposer. Oui, il y a des bonnes chances que Michel Mathieu soit d'un but la prochaine partie. Tell me, Jacques, are you satisfied with Gagnon's play so far? No one's perfect. Il y en a certains qui sont moins que d'autres. Non, j'ai pas nommé personne en particulier. Je parle en général. Non, on a-tu rêvé ou bien si Pierre Lambert avait pas l'air dans son assiette le matin? Bon, vous avez pas rêvé. Je pense qu'il y a eu une indigestion cette nuit.
Et c'est pour aller s'informer de son indigestion que t'es allé l'engueuler pendant 5 minutes devant tout le monde? As-tu d'autres questions? Merci de votre visite. As-tu parlé à Bourgoin? Je viens de le laisser. Puis? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Denis était là. Denis était là? Ben, il a répété toutes les mêmes affaires qu'hier. Tu y crois pas, au moins? Ben non. Bourgoin? Lui, ça a l'air qu'il faut qu'il pense. Tu te souviens de Denis Mercure au camp d'antenne? Hein? C'était mon meilleur ami, comme mon frère. À cette heure, il m'en veut à mort. Il pense que je l'ai blessé par exprès. Sois honnête. C'est vraiment un accident. Un pur accident. Tu ne parleras jamais de ça à personne. Tu me le jures. Disons que j'ai visé l'épaule. Puis que je me doutais qu'il était déjà amoché. Mais j'ai pas vraiment pensé, c'était dans le jeu. J'aurais-tu été mieux de laisser prendre ma job? Penses-tu que t'es le premier à qui ça arrive, ça, Pierre? À chaque camp d'entraînement, tu vas être obligé de sauver ta peau. Admettons que ce soit pas très beau. Tout à fait. C'est pas une raison pour rester caché le reste de l'année. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi, les gars? Et tu vas nous aider à finir en première position cette année. Marc, lui. Gagnon, il s'occupe juste de lui. Ça y en fait déjà pas mal. Je veux toujours sentir mal à l'aise demain, Denis. Et dis-toi bien une chose, Denis. Tout ce que tu veux pas me dire, j'ai déjà deviné. Il y a des choses dont il vaut mieux pas parler. Un jour ou l'autre, il va falloir que tu l'abordes de front, Pierre. Mais pas comme tu l'as fait hier. Mais comme un frère. Quand vous étiez petit à l'école, quand son père est mort, vous étiez inséparables. Et pas seulement sur la patinoire. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je suis pas encore prêt. Le temps arrange bien les choses. Ouais. Puis c'est pas tout. J'en ai parlé avec Fernand. Je pense que c'est une sage décision. Je voudrais pas que vous le preniez mal. Tu as envie de voir Suzy. Ça se dit pas. Je pense que je vais aller passer quelques jours à Québec, en attendant de me remettre à jouer. Jamais ça finit par guérir. Denis, je te donnais un mois dans les mineurs, veux-tu voir remonter? Tu seras mesure. Tu veux partir quand? Ben, je pacterai cet après-midi. Toutes tes affaires? Oui. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Faut que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant que je suis resté chez vous. C'est toujours chez toi, quand tu voudras. Bon, ben, je pense que je vais aller ramasser mes affaires. Es-tu bien certain, Fernand, que ce serait dans l'intérêt public que leur querelle d'enfants se retrouve dans le journal? Voyons donc, Marussia, ça m'est jamais venu à l'idée. Je savais que je m'en faisais pour rien. Mais tu pourras dire à ton cigouin, si ça avait été juste de lui après son téléphone, j'ai organisé le portrait en première page, moi, dans le bon vieux temps. Come on, guys, let's go! Hey, 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 hey! Hey, put you on the side, man!
Let you run the club in your own way. You made mistakes. Did I jump all over you? No. I said better luck next time. But now enough already. If you can't handle a problem, I'll do it myself. For starters, find out if there's a good coach out of a job. I need a club that can win without causing me all this goddamn aggravation. Je rêve en couleur. Ah oui? Pourquoi tu penses que je te paye d'abord? Ce matin, un seul sujet de discussion. Pourquoi l'entraîneur du National, Jacques Mercier, s'acharne-t-il sur Marc Gagnon? Pourquoi donc un valeureux vétéran comme le grand Marc doit-il subir pareil traitement? Mercier se cherche-t-il un bouc émissaire pour tenter d'excuser la faillite de son équipe dans les séries du printemps dernier? Je vous invite à me téléphoner pour qu'on fasse savoir tous ensemble à la direction du National que personne n'est dupe des manœuvres douteuses de Jacques Mercier. Pourquoi tu le fais pas jouer, Gagnon? On va le faire jouer. Mais quand il va être prêt à aider l'équipe... Il va t'haïr. Ouais, pour un petit bout de temps, oui. Mais après, il va me remercier, tu vois. Tu sais, il y en a toujours qui sont prêts à te donner des gens bêtes. Mais il faut être capable de rester debout. Sans ça, tu te fais écraser. You'll survive, won't you? I promise. Faut-tu rester encore longtemps comme ça? Le temps de retrouver son centre vital. Faut que je sois en ville à 5 heures. Ton beau Denis s'est enfin aperçu que tu existais. Tu sais, Suzy, Pierre lui aussi a commencé l'initiation. T'es complètement folle, Marie. Et t'inquiète pas, il a encore des chemins à faire avant de réintégrer son moi. You, ton ruban bleu? Ah, ça va, j'allais. Sérieusement, la Marie-Lou. Pierre, tu l'aimes ou tu t'amuses avec? Je me suis jamais demandé si j'aimais un garçon plutôt qu'un autre. L'amour, c'est universel. Marie-Lou! Et toi, ton Denis, tu l'aimes tant que ça? Oui, je pense que je l'aime. Je suis bien avec lui. C'est drôle. Quand il est là, j'ai l'impression d'être toute amoureuse de lui. Mais quand il est pas, il me manque pas. Il me semble que l'amour, c'est pas comme ça. Et Marc Gagnon, alors? Allô? Salut. Je voulais juste te parler. Oh, je sais plus, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça allait pas fort. Mais là, d'entendre ta voix, ça me donne le goût de te voir. Qu'est-ce que tu fais après-midi? On va-tu faire un tour en ville? Je suis seule à l'appartement. Suzy vient de sortir. Et elle rentrera pas avant soir. Pourquoi tu viens pas me voir? Je connais une recette infaillible pour te remonter le moral. Marc, tous les grands hommes ont eu des moments difficiles dans leur vie. C'est toujours ceux qui font rien qui chialent.
Comment ça se fait que tu sais ça, toi, puis t'as juste 18 ans? J'ai juste à regarder dans tes yeux. Suzy, tu sais ce que je vais faire? Demain soir, je vais compter un but juste pour toi. Puis je vais te rapporter à l'hôtel. Au gérant. Il veut pas. Ton chum, il est mieux de pas nous faire rompre sur la glace. Ça marche? Tu peux prendre congé. Oh, je suis contente. Puis à Boyfou, ça fait tellement longtemps qu'il me demande de le voir. Si je me laissais aller, je tomberais follement amoureuse de toi. Laisse-toi aller. J'ai des amis partout dans le monde. En France, en Tunisie, en Amérique du Sud. Il fallait que je m'attache à chaque fois. Hein? Pourtant, l'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. Mmh. J'ai jamais fait l'amour comme ça. Ça t'arrive souvent? Assez, oui. Depuis que j'ai 14 ans. Oh. Mmh? C'est mon professeur de yoga qui m'a appris. Oh. Depuis, j'aime ça. Non. On est ici! Oh, arrête! Salut, ma grande! Mon Dieu! Tu pensais que c'est un gros genre? Où est la victime? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens voir qui est là. J'ai invité Marc à prendre un café. Entendre parler que Denis est en ville? Il arrive pas avant demain. Installe-toi, Marc. Mais regarde pas, hein, c'est le bordel ici. On va passer la semaine au cégep. Tu veux un café? Ah, ben Pierre, je suis content de voir que ça va mieux qu'à pratique. Ben, mais Suzy m'a invité à prendre un café. Ben, change d'air. Tiens, prends ça. Ça fera du bien. Gilles, on se connaît depuis combien de temps? 17, 18 ans. Hein? Mais ça fait 18 ans que j'ai pas été aussi sérieux que ce soir. Ça te va bien? Si Marc Gagnon joue pas régulièrement demain soir, je monte à Goldman. Tu m'entends, Gilles Guilbeault, Goldman. Et si ça fait pas, je garantis plus rien de Marc. Puis tu pourras oublier le championnat pour cette année. Regardez ces objets. Ah, c'est beau, hein? Ça. Tiens, on a fait ça. C'est de la tapisserie. Mmh. Son mari, il travaille le bois. Regardez, c'est ravissant. Lélia fait de la broderie. C'est beau, ça. Et ça, c'est fait par Nathalie. Regardez. Ah, ah oui, vraiment, c'est différent de ce qu'on voit partout ici. Ce sont des métiers qui vont disparaître. J'avais pensé à un sigle. Regardez. Des petites mains, des mains d'or. Vous trouvez que ça ressemble à une colombe de la paix? Oui, si on veut. Luc avait raison, vous êtes une femme extraordinaire. Oh, Luc n'est pas très objectif. Il me connaît depuis tellement d'années. Ah, mais justement, moi, il m'a pas fallu autant de temps que ça. De plus, je perds des connaissances. Je me sens ennuyé, Suzy. Tu peux pas savoir. Hey, tout le monde, Denis Mercure!
es sûr que t'aurais pas aimé mieux aller à Québec au Colisée? Qu'est-ce que je t'ai dit? On n'en parle plus. Correct? Comment ça a été chez le docteur? C'est encourageant. Mes traitements à Trois-Rivières ont donné des bons résultats. Je passe la semaine à Québec pour faire la nouvelle physio, puis vendredi prochain, je devrais être bon pour me rapporter à Chicoutimi. Chicoutimi? Comment ça, Chicoutimi? Pour finir de guérir, pour reprendre l'entraînement. Mais Chicoutimi, ça n'a pas de bon sens, ça, c'est à l'autre bout du monde. Allez, viens, je te présente à tout le monde maintenant. Et pour chaque nom que tu oublies, tu me fais un bisou, d'accord? Je te remercie pour Bourgoin. Je suis content que tu sois là, Ginette. C'est vrai? On a rêvé à ça pendant combien de temps? Tu sais, quand tu comptes un but, que la foule se met à crier, t'as l'impression que tu vas éclater tellement cet accident. Tu te sens dans un autre monde, t'es quelqu'un d'autre. Tu voudrais que ça arrête jamais. Puis quand ça arrête, tu voudrais faire n'importe quoi pour que ça recommence. C'est beau, l'amour. Hein? Ben, Marc, je te présente quelqu'un que tu connais bien. Hein? Ben oui. C'est à elle que je téléphone tous les soirs quand on est sur la route. Ah! L'ange de Shawinigan. Mes sympathies, hein? C'est pas drôle de coucher avec ça. Je veux dire, je suis en vrai. Bonjour, Pierre. Moi, c'est Nicole. Bonjour. Toi, c'est Ginette? Oui, Ginette Les Tourneaux. Bonjour, Ginette. Bonjour. Ben, c'est où ma place? Toi, tu viens avec moi. Mesdames, messieurs, accueillons le basketball! T'as vu? Jimmy Thompson. Yeah, that big goon. I'll take care of him. Don't worry. Non, ce soir, c'est moi qui le prends. Merci! Bon match, mesdames, messieurs! Pour être comme ça encore ce soir, on n'a rien à faire ici. Viens avec moi. Le but du Boston, compté par le numéro 54, Paul Ricard. Avec lui, le numéro 8, Tom Pitt au ciel. Il n'y a rien qui ressemble plus à une partie de hockey qu'une autre partie de hockey. Oh, des fois, c'est excitant. Oui, ça arrive. Tiens. Un peu de vin blanc? OK. Peux-tu, je vais te dire quelque chose si tu as l'intention de devenir la femme d'un joueur de hockey? C'est beaucoup plus important pour eux autres qu'on essaie de les comprendre que de les regarder courir après une rondelle. Oui, mais les femmes de joueurs de hockey sont pas différentes des autres femmes quand même. Oui, parce que la femme d'un joueur de hockey, elle doit connaître son homme mieux qu'il se connaît lui-même. Puisque lui, ça fait longtemps qu'il a perdu tout contact avec la réalité. Tiens.
Prends ton Pierre. Je suis sûre que là, il doit commencer à dire qu'il est nerveux, que le coach est sur son dos, que ses coéquipiers lui en veulent, que sa mère le comprend pas, puis que toi, tu comprends encore moins. C'est pas loin d'être ça. Te rends-tu compte que c'est toi la seule personne qui va continuer à l'aimer puis à le voir comme il est vraiment? Tous les autres, ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Hein? Le héros, l'idole, la vedette. Ça doit être fatigant, longue. Oui, c'est fatigant. Il y a des jours où je changerais ma belle vedette aux yeux bleus contre un gros chauffeur de truck. Tu sais, les sautes d'humeur, puis les crises d'adolescence, puis les pleurnichages. Il y a des fois que j'en ai jusque-là. Chier, sale-là. Pierre a bien fait. OK, let's go. Face off. Déposition au numéro 13. Tu n'as jamais pensé à le laisser? Oui, souvent. Qu'est-ce que ça donnerait, hein? Marc a besoin de moi. Si je laissais, ça y prendrait pas 2 ans pour capoter complètement, puis... Puis moi, ben, j'aurais perdu la chance de retrouver l'homme que j'aimais. Parce que je sais que... quelque part en dedans, mon Marc Gagnon à moi, il est encore vivant. Puis tu penses que tu vas le retrouver quand il va laisser le hockey? C'est difficile à dire, tu sais, quand t'es devenu le grand Marc Gagnon, tu restes marqué. Mais moi, Marc, j'ai décidé de l'attendre. Est allé cueillir la rondelle dans le but. Est-ce qu'il s'agirait d'un record qui nous aurait échappé? Je n'en sais rien, mais on va vérifier ça tout de suite. Le but du National, nommé par le numéro 5, Marc Gagnon. Mercier couldn't have made us look more ridiculous if he'd have planned it. Keeping Gagnon on the bench till the game was lost. And what does Mark do the moment he hits the ice? He scores, that's what. I asked to look for a coach. You got any names for me yet? On peut dire qu'on a mangé une volée, puis c'est vrai. Pour une fois que ma blonde est là. Arrête, j'ai mal au ventre quand je ris. Pas chanceuse, ma fille. La première fois que tu viens les voir jouer, ils se font massacrer 7 à 3. Ils vont être mauvais. Tu vas voir, ça va être de notre faute. Ah!
t'est arrivé? Comment ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis battu avec le gros Thompson. Comment ça fait que t'as pas vu ça? Ben, pour dire la vérité, j'ai passé la soirée à jaser avec Nicole Gagnon. Eh bien, correct. Correct, mon cul? Ça te prend 3 semaines pour venir me voir jouer. Tu jases avec une bonne femme en prenant un coup? Ben, prends-les pas de même. Je le prends pas de même. Je le prends pas pantoute. Pierre, attends! Tu te souviens qu'est-ce que je t'ai dit quand je te l'ai donné? Les choses arrivent trop vite, Pierre. J'ai la misère à te suivre. Écoute-moi bien, hein? J'ai tout enduré, j'ai fermé ma gueule, mais là, ça marche plus. L'as-tu vu faire, Mercier? Chris, il me gagne! M'embarque quand la game est perdue! Ça, je t'avertis, hein, je le prendrai pas. Sais-tu ce que je représente pour cette organisation-là, moi? Hein? C'est du passé, ça, Marc, t'es plus en forme. Ah oui? Mais moi, là, un autre joueur qui aurait pu compter le but que j'ai compté à soi. Un but, c'est pas une partie, puis une partie, c'est pas une saison. Qui sais-tu penses qu'il va aller vous chercher à la coupe en cette année, ton petit Lambert? Je t'avertis, hein. C'est merci ou c'est moi. Choisis. It's not easy. Yeah.